Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je suis toujours à Primark hein, de Paris Nord à Aulnay-sous-Bois et on va faire un petit tour hein, tout ce qui est maquillage. On va commencer par les sourcils, les cils et je vais vous montrer hein, qu'il y a pas mal de choses en termes de cils, il y a du choix même. Et à ce qui paraît, ils sont plutôt pas mal. Alors là je vois une paire hein, qui avec des cils assez fournis à 5,50€. Sinon, il y en a qui se vendent. Alors ça, c'est une nouvelle collection chez Primark. J'ai vu qu'il y a pas mal d'arrivages hein, autour de ce thème-là. C'est tout ce qui est marbré, le marbré et doré. Là, c'est une paire qui est aussi bien fournie. Après, je pense que faut regarder, peut-être qu'il y a un degré de densité de poils, je ne sais pas. Mais celles-ci, elles sont bien fournies à 5,50€. Ouais, celle avec les densités de poils, hein, je pense que c'est celle-ci. Regardez, celle-ci, c'est numéro 1. Et regardez, il y en a un tout petit peu. Ça reste plutôt simple et sobre au niveau de la longueur. Là, il y a des chiffres 3,50. Il y en a un peu plus, un peu plus long. Vous voyez, celle-ci, numéro 4, elle est encore bien, bien fournie. Donc, elles sont à 3,50€. Avant, ils en vendaient ici par 5 ou 6. Regardez, celle-ci. Celles-ci, elles sont un peu moins chères. 3€ la paire. Et c'est vraiment 3D. On voit que et ça fait vraiment poil. C'est impressionnant, un poil naturel. On passe au rouge à lèvres. En fait, ça c'est un ensemble. C'est un rouge à lèvres mat avec le crayon pour faire le contour, pour se faire des contours et puis une bouche bien bien mat. On a pareil, hein, plusieurs couleurs. Ils sont à 4€. Je les avais déjà testés. Mais il y a au moins 2 ans. Il y a 2 ans. Donc ça fait un moment hein, qu'ils ont sorti cette collection. 4€, sinon on a pareil, hein, une collection, c'est un peu le même genre, hein, c'est un crayon, un contour de lèvres, plus le rouge à lèvres mat, il y a pas mal de couleurs, à 4€, on a pas mal de rouge à lèvres type gloss, vous voyez, à 2€, ça par contre j'ai jamais essayé, 2€, mais il y a du choix en termes de couleurs, hein, regardez. Il y a vraiment du choix. Ensuite, on a des paquets comme ça. Alors, c'est des paquets de 4 lipsticks, c'est 4 rouges à lèvres. Et avec des couleurs qui se ressemblent plus ou moins. Je pense que c'est des couleurs qu'on peut mélanger. Vous voyez, souvent, moi j'aime bien faire ça. Hein. Après, je sais pas si... Moi, j'aime bien mélanger deux couleurs pour vraiment obtenir la couleur que je veux. Je le fais également avec le fond de teint. Donc ça, c'est vraiment les mêmes tons de couleurs. Plus ou moins foncé et ils sont à 5€ les 4. Regardez ça, j'adore, c'est un miroir, vous voyez, effet marbre, super joli. Et je vais vous montrer comment il se présente posé. Il est super canon, regardez, hop, vous pouvez le fermer. Est-ce que ça donne? En plus, ça fait une super jolie déco. Alors ils sont à 4€. Alors là, on a des petites palettes. C'est des palettes, je pense, c'est suffisant. Hein, les avoir le strict minimum dans son... Ah non, ça, c'est des palettes de... Ah ouais, c'est des palettes pour les paupières, fards à paupières. Là, on retrouve hein, plus ou moins les mêmes couleurs. Elles sont à 4€. Il y a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Il y a 12 couleurs. Je vais vous montrer les couleurs plus en détail. Regardez celle-là, comment elle est super jolie. Ça fait un peu un bronze. Vous voyez la couleur en mat et la même en brillant. Ensuite, il y a cette palette à 6€. Et regardez les couleurs, hein, pareil, hein, c'est ce qu'on retrouve un peu dans cette palette. Moi, j'aime bien ces couleurs-là aussi, j'aime beaucoup. Brillant. Ensuite, on a cette palette. Vous voyez, j'aime beaucoup le packaging, hein, effet piton. Enfin, je sais pas, c'est fait piton. Ouais. Argenté. Le packaging, ici, franchement, au niveau du packaging, c'est très, très joli. Regardez les couleurs. Regardez cette couleur-là, comment elle est super jolie. Ce bleu. Alors, cette palette, elle est à 10€. Regardez les petites pochettes des palettes. Je trouve qu'elles sont super jolies. Alors là, regardez les couleurs. Hein, pareil, hein, c'est des couleurs assez sympas.
On voit du jade, couleur jade, émeraude, opale, ivoire, satin, bambou. Celle-ci, elle est à 6 euros. On continue avec les palettes et on a celle-ci. 6 euros, vous voyez, les prix sont, restent largement raisonnables. Donc on retrouve après hein, plus ou moins les mêmes couleurs dans chaque palette. Et des couleurs qui reviennent hein, beaucoup. 6 euros. Ensuite, on a les fonds de teint. Alors, les fonds de teint, il y a plein de choix ici. Il y a plein de marques, il y a plein de modèles. Enfin, plutôt, il y a plein de modèles. Mais aussi pas mal de couleurs. Hein. Je pense que au niveau des teintes, vraiment, on peut retrouver, vraiment, on peut retrouver sa teinte. Ou alors, en mélangeant deux teintes, hein, si vous avez vraiment du mal à trouver. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Moi, c'est ce que je fais. Pas avec ici, mais avec des fonds de teint en général. Quand je trouve pas ma teinte, j'essaie d'en prendre deux. Et puis, je fais des petits mélanges. Donc là, ces fonds de teint, c'est Perfect Finish Foundation. Ils sont à 3 euros. Voilà, on en a un autre modèle. Alors ça, je pense que c'est vraiment un fini qui est assez mat. Et c'est une double couvrance, en fait. Ça doit être vraiment un fond de teint pour une occasion. Hein. Ça, ce genre de fond de teint, moi, je le mettrais peut-être pour une soirée ou un mariage ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment une double couvrance. Hein. Ça va vous couvrir vraiment tout. Ce qui est bien, c'est que le flacon, il est assez sympa. Il est en verre. Et ils sont à 6 euros, pareil. Hein. C'est des teintes où on peut trouver vraiment, vraiment, il y a toutes les couleurs. Il y a vraiment de toutes couleurs. Alors, je vous montre vraiment, hein. Il y a vraiment du foncé jusqu'au très très clair. Après, on a celui-là. Alors, celui-là, c'est pareil, ça couvre, glow. En fait, c'est un effet glowy. Il est à 6 euros, pareil, la bouteille qui est en vert. Et à l'indice de protection de 30, hein, celui-là, je ne sais pas si celui-là, c'est pareil, 15. Donc, celui-là, il est un peu plus élevé, l'indice de protection. Regardez, pour celles qui recherchent des petites vanities. Ah ouais, pas mal. En tout cas, j'aime beaucoup l'imprimé marbre avec des petites touches dorées. Il est à combien? À 16 euros. Elle est à 16 euros la vanity. Alors pareil, hein, toujours, on retrouve toujours cet imprimé. Vous voyez, imprimé marbre avec. Oh, elle est magnifique. Regardez la palette. Alors ça, c'est le testeur. Hein. Ça a été touché, tout ça manipulé. Donc je vous montre juste. Vous voyez, c'est du doré. Elle est super jolie. Et cette palette, elle est à combien? Elle est à 10 euros. Alors, il y a pas mal d'accessoires, vous voyez, avec cet imprimé-là. On a des recourbes aussi à 2 euros. On a des kits pour manicure, pédicure à 4 euros. On a des limes à ongles à 1,50 €. On a des petites trousses hein, comme ça, trousses pour son maquillage. Alors, on a celle-ci à 4 euros. En fait, il n'y a que celle-ci, en fait. Il n'y a qu'une taille. En fait, comme c'était ouvert, j'ai l'impression que c'était une autre taille. Regardez comment ça se présente. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre tout porté comme ça et la poser aussi. On a les pinceaux à 8 euros. Donc, il y a 5 pinceaux. Alors, en solde, il y a ces palettes hein, qui étaient à 8 euros. Alors, c'est des palettes de highlighter et qui passent à 6 euros. On a ces rouges à lèvres qui étaient à 1,50 €. Et ils sont à 50 centimes. Alors, ça vaut vachement le coup. Alors, il faut trouver la couleur. J'ai l'impression qu'il ne reste pas beaucoup de couleurs, de choix de couleurs. Mais voilà, 50 centimes. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ça, c'est du. Ah, c'est pour les sourcils, ça. Ça, c'est pour les sourcils. Ils étaient à 3,50 €. Et ils passent à 2 euros. Vous voyez, c'est une crème pour amplifier, en fait, ses sourcils. On a les promotions sur ce kit. C'est un kit qui ressemble à ce que je vous ai montré là tout au début de la vidéo. Vous voyez, le crayon à lèvres plus le rouge à lèvres à 3 euros. Donc, pareil, il y a plusieurs couleurs. On a ce fond de teint matte foundation qui était à 4 euros et qui passe à 2 euros. Alors ça, c'est des crayons, pas si vous voyez, eyeliner. Donc on a deux crayons, un foncé et un clair
en général, et avec un taille crayon inclus à 1,50€. On a du mascara, on a pas mal de mascara. Celui-là est marrant parce qu'il ressemble beaucoup à L'Oréal. Alors les mascaras sont 1,50€. Celui-là il ressemble beaucoup à Jemmé. J'avais un Jemmé aussi de cette couleur-là, de cette forme-là, 3,50€. On a ceux-là. Alors ceux-là sont à combien? 3€. Et ça c'est quoi? Ça c'est du mascara aussi, waterproof je crois. Waterproof à 3€. Ah bah les voilà les cils. Je me disais aussi, je savais bien qu'ils vendaient des cils paire de 5 paires. Alors 6€ les 5 paires de cils. Et on a cette grande tablette de cils qu'on peut poser poil par poil à 6,50€. Alors là, il y a des petits vernis avec des couleurs sympas. Regardez celui-là, c'est très jolie couleur. Alors ils sont 1,20€. Alors ça représente combien? C'est 1€. Ils sont à 1€. Regardez des couleurs sympas. Il y a cette couleur-là. J'aime beaucoup aussi cette couleur-là. Et là, il y a du vernis à 1,50€. Hein, qui, j'adore moi les couleurs. Si je pouvais avoir toutes les couleurs. Hein. Alors moi c'est plutôt les couleurs comme ça que j'aime bien en ce moment. J'aime bien aussi couleur prune. J'adore. Alors ça c'est gel. Hein. C'est du gel donc ça tient plus longtemps. Ils sont à 2€ les, tout ce qui est gel et 1,50€. Non, 1,50€ pardon. Gel. Et celui-là il est à 2€. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, mon petit tour est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.